Bonjour, maintenant, fait papillon en devenir. Alors, aujourd'hui, je ne vous montre pas ma petite bouille parce que elle est à faire peur. Je ne vais pas vraiment mieux, donc voilà, c'est chaque chose en son temps. Et là, en l'occurrence, ça prend son temps. Désolée, mais Orion, forcément, vu que la caméra est juste à côté, il faut qu'il aille mettre son grain de sel et faire tout bouger. Donc voilà. Alors, je tenais quand même à faire, malgré mon état, faire votre petite vidéo parce que je sais que certains me suivent tous les jours pour le défi de Lilou. Et donc, je trouvais important pour vous qui suivez tous les jours de pouvoir faire cette petite vidéo, ne fût-ce que pour le défi de Lilou. Et donc, on est le 42e jour de ce défi. Et aujourd'hui, c'est donner de la valeur. Et donc, c'est la petite phrase d'Oscar Wilde. C'est aimer soi-même est le début d'une histoire d'amour qui durera toute la vie. Alors, nous savons prendre soin des autres, mais dès qu'il s'agit de nous-mêmes, c'est plus compliqué. On ne peut pas donner à partir du vide, et donc c'est à partir d'un lieu d'amour que le donner prend toute sa valeur. Alors, qu'est-ce qu'on peut attendre des autres? Que les autres me donne de la valeur si je ne suis pas capable de m'en donner. Le meilleur moyen reste de commencer par soi et le reste suivra. Donc votre valeur ne dépend pas du faire, mais bien, excusez-moi, de qui, mais bien de qui vous êtes. J'espère que vous m'entendez bien. Donc aujourd'hui, défi qui est demandé, c'est de noter tout ce qui, selon vous, vous donne de la valeur. C'est le moment de vous faire grand et non petit. Donc, exemple, je parle anglais, j'aime motiver les autres à dépasser leurs défis, je suis grande et née aux États-Unis, etc., etc. Alors, de quelle manière pourriez-vous vous attribuer encore plus de valeur? Quels seraient les actes montrant que ce ne sont pas de simples mots, mais qu'ils sont ancrés dans la matière? Que ce soit avec ou sans argent, il y a de nombreuses façons de le faire. Rappelez-vous que c'est votre manière d'agir qui détermine votre valeur et non ce que vous faites. Soyez authentique, créatif et autorisez-vous à vous montrer grand. Et enfin, dans votre rôle de mère, père, compagnon, compagne de vie, que faites-vous pour l'ensemble? En faites-vous plus que les autres? Comment est-ce valorisé? Est-ce que cela pourrait l'être d'une manière vous satisfaisant pleinement? Pensez à être authentique, sincère et vrai avec vous-même en réalisant cet exercice. Alors, le bonus, c'est de partager avec des personnes importantes de votre vie ce que vous avez découvert de ce défi. Et de simplement partager, pas faire de reproches, mais simplement partager ce qui est. Donc voilà pour ce qui est du défi aujourd'hui. Donc voilà, je vous ai partagé en même temps une petite vidéo d'Oponopono. Évidemment, il y a tout un texte qui est à l'arrière, mais que j'ai supprimé. Je vous ai juste mis les images parce que, ben voilà, je trouvais ça important de passer ça aujourd'hui. Donc voilà, je ne suis toujours pas très bien. J'avance un jour à la fois. Et ben voilà, on verra demain comment
comment je serai. Mais bon, je me soigne et puis ça va. Donc, enfin, allez, en tout cas. Donc, voilà. Pour aujourd'hui, je vous embrasse et je vous retrouve demain. Passez un excellent week-end dans tous les cas.